bienvenue pour ce nouveau vlog. Je suis à la frontière avec l'Argentine. Enfin, on est parti très tôt. Ce matin, depuis Curitiba, on a fait 11 heures de car. Et je suis ici à Iguazu, du côté brésilien. Et nous allons aller demain du côté argentin. C'est fou la puissance de ces eaux. C'est parti pour ce nouveau vlog. On s'est juste rendu là-bas et regarde le monde qu'il y a, c'est un truc de malade. On est sur un endroit assez stylé ici, on est encore au Brésil, on n'a toujours pas passé la frontière parce qu'en fait, en face de moi, c'est l'Argentine, de l'autre côté, c'est le Paraguay et là où on se trouve, on est au Brésil. On est à la confluence des trois pays, c'est intéressant, on est en pile en plein milieu de l'Amérique du Sud. Ok, jour 2 ici sur Iguazu, nous sommes au barrage d'Itaipu et c'est ni plus ni moins le plus grand barrage du monde. Et ce barrage est énorme et juste ce mur de béton fait 10 km de long. Ok, regarde un peu. Là-bas, c'est le Brésil. Et là, on est pile entre les deux pays. Et de l'autre côté, c'est le Paraguay. Le fleuve qui passe, c'est le Paraná. C'est le fleuve qui sépare. Il est énormément grand, qui sépare les deux pays en deux. Il y a d'ailleurs aussi une partie avec l'Argentine. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est se rendre de l'autre côté, passer une troisième frontière avec l'Argentine pour découvrir l'autre côté des chutes d'Iguazu. Ok, c'est une deuxième journée ici au parc national d'Iguazu. On est côté argentin et on va aller voir l'autre partie maintenant des chutes d'eau. C'est la partie la plus impressionnante, c'est aussi la plus complète. C'est aussi la plus chère, mais bon, c'est celle qui mérite le plus d'attention ici au parc. Regardez comme c'est beau. Bon, des coatis, il y en a partout ici. Il faut absolument pas leur donner à manger parce qu'ils mordent apparemment. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est encore des coatis aussi là-haut. Voilà pourquoi il faut avoir un appareil photo tropicalisé. Je dois faire un petit mot pour un abonné qui m'a demandé d'écrire un petit truc pour lui. Il est en train de passer sa P1, sa première année de médecine. J'ai en train de préparer un message pour lui. Puis il y a un mec qui est arrivé, il a fait non, le style ça fait tout. Et il est en train de reprendre ce que j'ai fait. Il est en train de me faire un truc trop stylé. Ok, ce vlog est maintenant terminé, les chutes d'Iguazu c'est fini, on va descendre plus au sud vers l'Argentine et rejoindre Buenos Aires. Si ce vlog t'a fait kiffer et si tu veux en voir plus sur l'Argentine, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager, enfin bref, tu connais la chanson, et puis à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt, ciao.